Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. C'est un grand plaisir pour nous de partager ces quelques instants une fois encore avec vous. Merci pour votre attention. Je voudrais aujourd'hui parler d'un sujet très important, c'est le sujet de notre confession, l'importance de notre confession, l'importance de ce qui sort de nos bouches. La Bible nous dit en fait dans le livre de Job, au chapitre 22 et au verset 28, la Bible dit ceci: « À tes résolutions répondra le succès. » Mais j'aime bien la version anglo-saxonne de ce passage qui dit littéralement « Tu décréteras une chose et cette chose sera établie. » Tu décréteras une chose et cette chose sera établie. Nous voyons aussi dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. La Bible dit aussi dans le livre de Romains au chapitre 10, à partir du verset 8, « Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Et au verset 9, la Bible continue pour dire si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, ce que ces passages ont en commun, c'est l'importance de ce qui sort de notre bouche. Dans le livre de Job, la Bible dit, et j'aime bien la version anglaise, « You shall decree a thing and it shall be established. » Tu décréteras quelque chose, tu prendras un décret, et ce décret sera établi. Par ailleurs, le livre de Romains dit, tu confesses par ta bouche le Seigneur Jésus. Et Paul dit aussi, nous avons reçu le même esprit de foi par lequel nous parlons. Et tout cela a à voir avec ce qui sort de nos bouches. Aujourd'hui, je voudrais donc parler de l'importance de notre confession. Tout ce qui sort de notre bouche a une grande importance. La Bible dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 18, verset 21, notamment, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ça veut dire que chaque fois que nous ouvrons la bouche, nous libérons soit la vie, soit la mort. Nous sommes capables d'affecter notre environnement naturel et aussi notre environnement spirituel par ce qui sort de notre bouche. Il y a tellement de gens, tellement de personnes qui ont détruit leur propre vie par ce qui sort de leur bouche. Il y a beaucoup de gens qui ont fermé des portes par ce qui sort de leur bouche. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu, rejeté des opportunités, détruit des relations simplement par ce qui sort de leur bouche. Il y a des gens qui ont détruit non seulement leur propre vie, mais aussi la vie de ceux qui les entourent, la vie de leurs enfants, la vie de leurs conjoints, la vie de leurs parents, par ce qui sort de leur bouche. Ce qui sort de nos bouches est très important. Ce qui sort de nos bouches a la capacité d'affecter notre environnement naturel et aussi notre environnement spirituel. Mais pourquoi tant de puissance et d'autorité dans nos paroles? Remarquez avec moi que de toute la création, seule
les hommes ou la race humaine a l'habilité ou la capacité d'utiliser la parole. Et cette parole est accompagnée d'une grande puissance et d'une grande autorité. Les animaux n'ont pas cette autorité. Les animaux n'ont pas ce langage. Mais nous, les hommes, avons la parole. Et notre parole est accompagnée d'une grande autorité. Mais pourquoi tant de puissance et tant d'autorité dans nos paroles? Pour commencer, il est important de comprendre comment Dieu lui-même opère. La Bible nous enseigne que Dieu nous a fait un peu comme lui. Dieu nous a fait à son image et selon sa ressemblance. Et il est important de comprendre comment Dieu opère avec la parole afin de pouvoir apprécier l'importance de la parole qui sort de nos bouches. Alors Dieu n'a jamais rien fait, Dieu n'a jamais rien créé sans utiliser la parole. La Bible nous enseigne que Dieu a tout créé par la parole. La Bible dit dans le livre de Genèse que Dieu ouvrit la bouche et dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a ouvert la bouche et les particules et les atomes et tout ce que nous voyons aujourd'hui s'est mis en place au seul son de la parole de Dieu. Le livre de Jean nous fait comprendre qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu a tout créé simplement par sa parole. Et Dieu utilise sa parole pour appeler à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Le livre d'Hébreux nous fait savoir que l'univers entier est soutenu par la parole puissante de Dieu. Non seulement Dieu crée par sa parole, mais il soutient aussi l'univers par la puissance de sa parole. C'est la puissance de la parole de Dieu qui empêche les planètes et les galaxies de se cogner et de créer un carnage universel. Dieu soutient l'atmosphère par la puissance de sa parole. Un seul mot de Dieu est capable de changer tout un environnement. Un seul mot sortant de la bouche de Dieu a sorti Lazare du tombeau. Un seul mot de la bouche de Dieu a guéri le serviteur du centenier. Un seul mot de la bouche de Dieu a donné à Pierre le pouvoir de marcher sur l'eau. La Bible dit, il envoya sa parole quand le peuple d'Israël l'a invoqué. Il envoya sa parole et sa parole les guérit et sa parole les délivra de la fosse. Dans le psaume 107, verset 20. Dieu opère par la puissance de sa parole. Dieu opère avec sa parole. Et aujourd'hui encore, Dieu continue de parler. Aujourd'hui encore, Dieu continue d'utiliser la puissance de sa parole pour continuer d'appeler les choses à l'existence. Comme si elles existaient. La parole de Dieu est toujours efficace. La parole de Dieu est toujours vivante. La parole de Dieu est toujours un couteau à double tranchant. La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son dessein. Il est important de comprendre comment Dieu opère afin de pouvoir comprendre l'importance de ce qui sort de nos bouches en tant qu'homme. Alors notre Dieu continue de parler, il continue encore d'utiliser la puissance de la parole. Nous voyons par exemple dans le livre d'Hébreux au chapitre 1, la Bible nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Dieu continue de nous parler. Le prophète Amos nous dit que Dieu ne fait rien sans le révéler à ses prophètes, sans parler à ses prophètes. Et ceci est écrit dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7.
Dieu parle encore par ses serviteurs. Il y a une chose intéressante dans la naissance du prophète Samuel. Nous savons que la mère du prophète Samuel était incapable d'avoir un enfant. Et elle priait à Dieu. Elle priait au point où le sacrificateur même a pensé que cette femme était ivre. Mais cette femme était en train de prier à Dieu pour un enfant. Anne priait. Et ce n'est pas les larmes de Anne qui ont motivé la réaction de Dieu. Dieu a permis à Anne d'avoir un enfant quand Anne a pris la résolution de donner cet enfant à Dieu dès qu'il serait né. Dieu cherchait une bouche par laquelle parler. Dès que Anne a compris l'importance de pouvoir rendre cet enfant à Dieu et d'en faire une bouche pour l'Éternel, l'Éternel a alors décidé d'ouvrir le sein de cette femme afin de lui accorder l'enfant, l'enfant Samuel. De la même façon, l'enfant Jean-Baptiste est né. Et de cette même façon, l'enfant Jésus est né. Dieu parle toujours par ses serviteurs. Dieu utilise toujours la parole. La parole est donc très, très importante. Un outil important pour Dieu, mais un outil aussi important pour nous les hommes. Alors après la création d'Adam, Dieu lui a donné un grand pouvoir, le pouvoir de pouvoir non seulement dominer sur toute la création, mais de nommer les animaux. Et en nommant les animaux, Adam a fait usage de l'autorité et du pouvoir que Dieu lui a donné. Adam a utilisé la parole pour nommer les animaux qui sont autour de lui. Dieu a utilisé ses prophètes dans le temps. Et dans l'ancienne dispensation, dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé par les prophètes. Aujourd'hui encore, Dieu continue de parler à travers la parole de Dieu, à travers ses serviteurs. Mais il est important de comprendre qu'aujourd'hui, en Christ, nous avons une autorité et une alliance qui est nouvelle et qui est supérieure à toutes les alliances précédentes. Notre alliance aujourd'hui dans le Seigneur, notre autorité dans le Seigneur est supérieure à toutes les alliances précédentes. Le livre d'Hébreux nous donne l'exemple et nous explique encore mieux l'importance de la nouvelle alliance. Cependant, il y a beaucoup de chrétiens qui, ne comprenant pas ces choses, se comportent encore comme des bébés spirituels, comme Jérémie qui réagissait à l'appel de Dieu en disant « Seigneur, je ne suis qu'un enfant ». Mais il est important de comprendre que notre alliance aujourd'hui est supérieure à celle que Moïse avait. Notre alliance est supérieure à celle qu'Élie avait. Et non seulement cela, notre alliance est d'autant plus supérieure à celle-là que notre autorité est supérieure à l'autorité qu'ils exerçaient. Il est important de comprendre qu'il y a un monde réel spirituel et notre parole a une influence sur ce monde spirituel. Notre parole a une influence sur les choses visibles et sur les choses invisibles. Nous avons autorité sur le naturel et sur le spirituel par notre parole. Jésus-Christ nous disait par exemple, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Et il continue pour dire, « En mon nom, vous chasserez les démons. » Bien-aimés, personne d'entre nous n'a vu un démon. Un démon est un être spirituel. Et quand Jésus nous dit « En mon nom, vous chasserez les démons », il est en train de nous dire « En mon nom, vous ouvrirez la bouche et vos paroles auront autorité sur le monde spirituel. » Dès que vous ouvrez la bouche en mon nom, le monde spirituel n'a d'autre choix que d'obéir. Et les démons n'ont d'autre choix que d'être chassés par la puissance de votre parole dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. « En mon nom, vous chasserez les démons. » Et tout cela est directement lié à ce que nous disons, à ce qui sort de notre bouche, à notre confession.
Tout ceci est donc lié à notre confession. Notre confession a une grande importance. Notre confession, c'est ce qui sort de notre bouche et qui est en connexion directe avec ce qui est dans notre cœur, avec la croyance qui est dans notre cœur. Notre confession précède notre possession. La confession précède la possession. Nous confessons avant de posséder. La réalisation de ce que nous voulons suit la confession. C'est après avoir confessé que nous pouvons réaliser ce que nous voulons. La manifestation de notre bénédiction sera le produit de notre confession. Donc notre confession est très importante. Ce qui sort de notre bouche a la capacité non seulement d'édifier, mais aussi de décourager, a la capacité de bénir, mais aussi de maudire, a la capacité de donner vie, mais aussi de donner mort. C'est par notre bouche que nous pouvons entrer au ciel. Le livre de Romains nous dit que c'est en confessant par ta bouche, en ouvrant la bouche et en déclarant que Jésus-Christ est Seigneur, c'est par notre bouche que nous pouvons avoir notre entrée au ciel. Ça ne sert à rien de croire seulement dans le cœur et d'avoir la bouche fermée. Bien-aimé, une bouche fermée est une destinée fermée. Une bouche fermée est une destinée bouchée. Ouvre la bouche et amène à la réalisation ce que Dieu veut pour toi. Confesse ta destinée, confesse ta réalité spirituelle, confesse ta position spirituelle, confesse ton futur et ton futur se réalisera certainement pour toi. Il y a des choses dans la vie, il y a des situations dans ta vie, il y a des choses qui n'attendent de toi que des instructions de ta bouche. Il y a des choses qui n'attendent que tu ouvres la bouche pour donner des instructions. Tu peux de ta bouche donner des instructions à ta situation. Tu peux de ta bouche donner des instructions à ton futur. Tu peux de ta bouche donner des instructions à ton environnement naturel et même spirituel. Écoute, ta situation attend ton instruction. Ta situation attend tes ordres. La terre entière attend la manifestation des fils de Dieu. La terre entière attend que les fils de Dieu ouvrent la bouche et disent quelque chose. Tu as peut-être fait des résolutions dans le passé. Tu as peut-être pris des décisions dans le passé. Tu as peut-être fait certaines choses dans le passé. Mais maintenant, il est temps de parler. Maintenant, il est temps d'ouvrir la bouche. Maintenant, il est temps d'ordonner. Maintenant, il est temps de décréter. Tu décréteras une chose et l'Éternel l'appuiera par la puissance de Dieu. Tu décréteras une chose et l'Éternel l'établira certainement. Mais la question est donc de savoir qu'est-ce qu'un décret ? Qu'est-ce qu'un décret ? Vous savez, la vie que nous vivons est régie par des décrets. Il y a des décrets naturels. Dans le monde naturel, il y a des décrets qui sont pris par des personnes en autorité. Mais il y a aussi un monde spirituel, là où certains décrets sont pris qui affectent nos vies. Il y a des vies, avant même qu'elles ne soient conçues naturellement, des décrets ont été pris dans le monde spirituel qui affectent et qui ordonnent certaines vies. Qu'est-ce qu'un décret ? Un décret est une ordonnance absolue. C'est un commandement officiel. C'est un commandement irréversible. C'est une loi qui régit une société. Et comme je le disais, il y a des décrets qui sont venus du fin fond de l'enfer pour régir la vie de certains d'entre nous. Il y a des alliances qui ont provoqué certains décrets. Et ces décrets sont faits par la parole. Une bouche a été quelque part ouverte et a prononcé un décret à l'endroit d'une telle famille, à l'endroit d'une telle personne. Et ces personnes n'ont aucun autre choix que de vivre par le décret qui a été prononcé sur eux. Et la Bible dit que toute bouche qui se lèvera contre toi sera condamnée. Car la bouche a une certaine autorité, la bouche a une certaine puissance. Qui sont donc ceux qui prennent les décrets ? Ceux qui prennent les décrets sont des personnes en autorité. Bien-aimé, si le diable dans son autorité a pris un décret contre toi,
il y a une autorité qui est bien supérieure à celle du diable. Au nom qui est au-dessus de tout nom, tu peux prendre un décret afin de renverser tout décret qui a été pris contre toi auparavant. La Bible dit, « You shall decree a thing and it shall be established. » Tu décréteras une chose et cette chose sera établie. Tu as une autorité d'autant supérieure à celle de Moïse, une alliance d'autant supérieure à celle de Moïse, afin de prendre des décrets. Un décret qui sort de ta bouche au nom du nom qui est au-dessus de tout nom annule tous les décrets précédents, annule tout décret maléfique, annule tout décret satanique prononcé contre ta vie. Dans le nom de Jésus, tu es capable d'ouvrir la bouche et d'ordonner ton futur. Dans le nom de Jésus, tu es capable d'ouvrir la bouche et d'être une bénédiction. Dans le nom de Jésus, tu es capable d'ouvrir la bouche et d'être un instrument de bénédiction et d'encouragement. Dans le nom de Jésus, tu es capable de réaliser ta réalité future simplement par la puissance de ta parole, par la puissance de ce qui sort de ta bouche. Par la parole, Dieu nous a donné un instrument très puissant. Par la parole, Dieu nous a donné un instrument très puissant. Et le diable veut pervertir cet instrument. C'est pourquoi le diable veut se servir de cet instrument comme objet de malédiction. Non, bien-aimé, tu n'es pas fait pour maudire, tu es fait pour bénir. Alors, qui sont donc ceux qui émettent des décrets? Alléluia! Bien-aimé, quand je parle de ta confession, je ne parle pas simplement d'une parole qui vient de toi, mais je parle de la parole qui sort de toi et qui est accompagnée par la puissance et l'approbation de Dieu. Qui sont ceux qui émettent des décrets? Ceux qui émettent des décrets sont des personnes en autorité. En tant qu'enfant de Dieu, écoute ce que la parole de Dieu dit de toi. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, au verset 9, la Bible dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, que nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur ne vit pas selon les ressources du pays où il est en fonction. Il vit selon les ressources du pays qui l'emmène dans le pays où il est en fonction. Si tu es ambassadeur de Christ sur la terre, tu ne dépends pas des ressources de la terre. Tu ne dépends pas de la puissance de la terre. Tu ne dépends pas de l'économie de la terre. Mais tu dépends de la puissance et de l'économie de celui qui t'a nommé ambassadeur. Quand tu ouvres la bouche au nom de l'autorité de celui qui t'a nommé ambassadeur. Tu es ambassadeur de Christ. Et par l'autorité de celui qui t'a envoyé, tu peux changer l'ordre des choses par ce qui sort de ta bouche. Que dois-tu confesser donc? Tu dois confesser la parole de Dieu. Tu dois confesser la parole de celui qui t'a envoyé. Tu dois confesser la parole de celui qui t'a mandaté. Tu dois confesser la parole de celui qui t'a régénéré. Oui, que la parole de Dieu ne quitte point tes lèvres, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, et tu verras le succès dans tes entreprises, et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Les intempéries obéissent à la voix de Dieu. Les situations ne peuvent résister à la parole de Dieu. La maladie fléchit le genou devant la parole de Dieu. Le célibat tombe devant la parole de Dieu. La pauvreté fléchit le genou devant la parole de Dieu. Aucune malédiction ne résiste devant la parole de Dieu. Les sorciers tremblent au son de la parole de Dieu. Et les anges de Dieu se mettent en action en obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé, ouvre simplement la bouche et déclare la parole de l'Éternel. Et tu verras des choses s'accomplir dans ta vie.